Qu'est-ce que tu fais avec un joyeux festin? Il y a les crayons pour dessiner. Ah, ok. Une feuille d'exemple. Je comprenais pas. Matin sur pain à déjeuner au bacon. Cette page-là, ce matin, bacon, pain à déjeuner. Vous voulez une patate? Oui, s'il vous plaît. Non! Ensuite? Avec deux croissants au beurre, s'il te plaît. Et deux croissants au beurre, Regarde-moi. Là, s'il te plaît, c'est une de nos compagnies. Ouais, la caméra, moi. S'il te plaît, il faut partager. Coucou, Annabelle. Qu'est-ce que tu fais avec un joyeux festin? Il y a les crayons pour dessiner. Ah, ok. Une feuille d'exemple. Je comprenais pas. J'ai tout dessiné en bleu. Les deux, parce vous avez que, tout dessiné en parce bleu? Parce qu'il y avait juste un crayon. Ah. Et Annabelle a perdu son crayon. S'il te plaît, j'ai besoin. C'est le même, non, les deux filles? Non. Ah. Moi, j'avais mon crayon juste à moi, puis là, il est tombé dans la crème. Ok, gang, je capote. Ben, à Québec, il n'y en a pas. Non. À Québec, il y a juste des bourgeons, mais ici, il y a des feuilles. Enfin, l'été arrive. Je capote. Je suis trop contente. I'm so happy. Il est prêt à danser, mais... On est passé se chercher du Tyson. Voilà, on est déjà rendu super tard. Je parle pas trop fort parce que les enfants sont couchés. Je pense pas qu'ils dorment, mais bon. Okay. Moi et Florence, on a fait une soirée de filles encore. Puis on est allé à trois places. On est allé au Walmart, Boucler puis Ikea. Puis je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. On est allé en premier chez Walmart. J'ai acheté un casque de vélo. Elle était toute seule avec moi, fait que j'en ai pas acheté aux autres. Ah, ça, je me suis trouvée. Oups. Deux coussins pour mon lit. Est-ce que ça va faire un genre de contraste? Ça va être beau. Ça, j'ai trouvé deux bacs. Comme ça, il était 6,50 en rabais. Là, faut que ça valait la peine. Et une espèce de petite lanterne. Comme ça. Pour mettre vraiment mini, pour mettre dans mes petites étagères. Ça, c'est un truc pour lampion, mais qui peut faire pour chandelle aussi. Bref, deux sortes de grosseurs. Ça, c'est ça pour ça. Après ça, Ikea. On a acheté un lit superposé pour les gars. Là-dedans. J'ai acheté un Always. Parce qu'on avait tué l'autre l'année passée, puis le Fred il aime ça. Fait que j'en ai acheté un. Et après ça, une petite lampe comme ça pour Étienne. Puis j'ai acheté un truc de moule à muffin pour moi. Parce que j'en voulais deux sets, il y en a 20 dedans. Puis j'en ai acheté deux autres que je vais faire tirer éventuellement. Un truc à spaghetti parce que le nom tu as cassé, puis c'était 1$, fait que ça valait la peine. Des couteaux à steak qui étaient 3,99 je crois, parce qu'il nous en reste juste deux. Et une petite bouteille comme ça, 2,99. Je trouvais ça mignon. Ok, j'espère qu'on va l'utiliser. Fait que c'est ça. Et le dernier sac, c'est... Ah, là, c'est tellement le bordel, là, dans ma cuisine. Ok. Fait qu'il y a une housse de couette pour les jumeaux.
ça va être celle à Étienne, dans le fond, parce que... ce que je voulais vous dire, c'est que Florence et Annabelle vont dormir dans le même lit. Ça va redevenir comme avant. Puis Étienne puis Olivier vont avoir un lit superposé parce que ça rentre pas... Tu sais, ça rentre pas du tout là, dans leur chambre. Comme la bassinette puis le lit d'Oli. Le lit d'Oli. Fait que j'ai racheté une housse de couette pareil comme Olivier. Puis on va prendre la couette à Flo quand on n'aura plus besoin. Puis on va l'utiliser pour la chambre des gars. Puis après ça, j'ai pris chez Bouffleur encore. Genre un petit truc comme ça pour la salle de bain. C'est quétaine là, mais j'aime ça. Lavez vos mains, replacez votre serviette, brossez-vous les dents, sans oublier la soie dentaire, nettoyez après votre passage, baissez le siège de toilette. Utilisez toujours du savon, ramassez vos vêtements, n'oubliez pas de tirer la chasse d'eau et éteignez les lumières. Fait que je trouve ça bien, bien cute. Puis finalement, c'est genre vraiment une folie parce que dans le fond, ben une folie. C'était pas quelque chose qui vaut cher. C'est vraiment juste parce que j'en ai aucunement besoin. Attendez un instant. J'ai de la misère. Un de main. Fait que d'après moi, ils les avaient sortis comme à l'entrée pour la fête des mères. Ça dit « Toujours disponible pour mes poussins dans la joie et la bonne humeur. C'est tout moi. » Fait que voilà. Je me suis acheté ça moi. C'est tout. Et c'est bien assez. Bon, dernière chose pendant qu'il y a un genre de conflit en haut. Je me suis acheté au Walmart quelque chose que ça faisait longtemps que je voyais, puis ça me gossait vraiment, là. Dans le fond, mon amie Caroline, elle s'est fait exactement la même affaire, mais avec... Elle est allée chez un antiquaire, elle a trouvé une vieille vitre et tout ça, vous allez comprendre quand je vais vous le montrer. Puis elle a vraiment fait ça elle-même, puis je trouve ça tellement beau, tellement plus beau que ça, là. Mais elle décore full bien chez eux, puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Oh my god, c'est tellement beau! » Puis là, plus tard, j'en ai vu au Walmart, qui est celui-ci. Fait que lui, c'est 1 à 6 photos. Mais elle, il est vraiment... Tu sais, c'est une très, très grande fenêtre, là. Puis, pour vrai, Caro, tu as la fierté de dire que tu l'as fait toi-même, puis tout ça. Puis je trouve ça vraiment nice. J'aimerais ça être aussi hot en déco, puis tout. Mais moi, je suis vraiment poche. Mais bon. Fait que c'est ça. J'ai trouvé ça, c'était quand même assez dispendieux, là. Je pense que c'était comme 50$. Mais ça faisait plusieurs fois que je le voyais puis ça me tentait. Fait que là, tantôt, j'ai écrit à Caro, j'étais comme... Bon, ben, je t'ai copié. Elle était là, ben voyons, pourquoi tu dis ça? Là, j'explique, et comme, ben là, je m'en fous. Je suis comme, oh, mais c'est pas grave. J'ai copié pareil. Mais bon, fait que c'est ça. Donc, je vais vous dire sur ce, bonne nuit. À demain.